tu vas faire dans la vraie vie, de quoi tu es capable. Je vais te montrer. Montre-moi. Je vais te montrer. De quoi t'es qu'est-ce capable que tu dis ça hein. Hey, est-ce que t'es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Tu rigoles? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam! Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. Ça... Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Bah alors, tu restes avec moi? Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant moi? Oh là, oh là, on se calme. Hein? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple? Tu t'es pris une balle. T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est... Des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok, tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène? Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama? Ouais. Ouais. Attends, tu sais pas la meilleure? J'ouvre le cercueil, et là je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant, à peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi?
quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Mmh. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir? Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Ouais, bah, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie? De leur misérable boulot? Bah, ils ont leur femme qui les attend à la maison. Et nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avry? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce qu'il me dit aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? Oui. Vámonos. Oh, putain de merde.